gens, pourquoi avoir été tenté par cette aventure, voilà, de film en costume, romanesque, mais décalé, faire du Belmondo chez Jane Austen, c'est... J'espère pas faire du Belmondo, ça lui plairait pas, mais c'est une zone de jeu que j'aime bien, on me connaît un peu là-dedans aussi. J'aime bien les costumes, j'ai pratiqué ça, je trouvais leur procédé était très drôle, en fait c'est le procédé qui est marrant. L'usurpation, c'est quand même... ça me permet d'avoir du jeu dans le jeu, en fait, d'être plusieurs, et ça j'aime bien. Anti-héros aussi. Oui, anti-héros. On vous adore, rien. On vous déteste. C'est des personnages contrastés. C'est-à-dire que tu peux à la fois être très élégant, très droit, très con. Il y a tellement de choses à jouer que c'est une très belle salle de jeu. Donc quand on vous propose ça, et en plus, effectivement, à cette époque-là, pour une fois, il n'y a pas de scène avec des portables. Non, mais c'est effectivement, ça peut faire un peu présomptueux de dire c'est du cinéma, mais en même temps, c'est vrai, il y a il y a une promesse de cinéma, il y a une, je trouve pas le mot, une ambition, voilà. Il y a une ambition autre que, effectivement, parfois, d'avoir des situations de trentenaires ou de quadras qui ont des problèmes existentiels avec leurs frères, leurs mères, dans un appartement. On en voit beaucoup, hein, c'est vrai. Bon, il en faut, les gens aiment bien se retrouver au cinéma, mais parfois, ils aiment bien être aussi un peu embarqués. Enfin, moi, c'est mon cas, j'aime bien être un peu embarqué dans une histoire. Il était une fois. Mets-moi des chevaux, mets-moi des choses, vas-y... Et ça devient de plus en plus difficile de financer des films comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce film aussi fonctionne, pour pouvoir en refaire d'autres. Il va y avoir un super bouche à oreille. Ça serait super, parce que sinon on va tous jouer la même chose. Et moi, je n'ai pas forcément envie de jouer ou de voir des gens que je vois dans la vie. Sinon, c'est le cinéma, j'aime bien l'idée que ça soit quand même la vie en mieux. Alors, ça fait partie des surprises de ce film, justement. Ah oui. Et ça n'empêche pas, effectivement, d'avoir de la modernité, d'avoir des personnages féminins très forts, modernes, qui ne sont pas les faire valoir, où tout le monde bosse ensemble, on avait une vraie troupe, enfin... Il y avait vraiment, il y a eu un gros boulot de... Ouais, de trame des lettres aussi, je trouve que voilà, l'histoire finalement... Non mais regardez même, enfin je veux dire, ces trucs, forcément peut-être que vous regardez pas tout ça dans le détail, mais c'est vrai que ne serait-ce que la lumière du chef opérateur, l'ambition dans le costume, moi je trouve que tout est en place, et c'est vraiment, c'est chouette d'avoir des beaux films comme ça. Ouais.